J'ai commencé mes débuts en professionnel au Havre Athletic Club. Ensuite, l'année dernière, j'ai signé au Cercle Bruges. J'ai fait une saison complète. Et cette année, voilà, je suis prêté au club de Troyes. Pourquoi Troyes? Parce que Troyes, c'est un bon club, Troyes. À chaque fois, ils jouent la montée en Ligue 1. Je pense le coach aussi, ce qui m'a donné envie de venir, car c'est un joueur que j'aimais bien quand j'étais petit, donc ça m'a donné envie de venir aussi ici. La Ligue 2, c'est un championnat que je connais déjà, et notamment dans le club 3 aussi, qui va me permettre de me redonner de l'espoir pour montrer mes qualités. Et voilà, je pense que revenir en France, ouais, c'est bien. Moi, je suis venu pour jouer, je suis venu pour jouer. Maintenant, c'est le coach qui va décider. En tout cas, je vais tout faire pour gagner ma place. Depuis un moment, il était dans une shortlist. Et aujourd'hui, par rapport à certaines blessures aussi que l'on a, notamment celle de Souk, notamment celle de Yo, j'avais besoin aussi d'un attaquant qui soit polyvalent. Mais par rapport aux critères de jeu que l'on avait déjà, il me fallait encore plus de vitesse devant et on avait ciblé Ali depuis un moment. Après, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a joué en Ligue 1 belge, qui connaît le haut niveau et donc on avait besoin de ça aussi, de joueurs qui soient vite performants et qui puissent nous apporter quelque chose. Voilà, c'est très important aujourd'hui qu'on puisse à la fois mettre de la concurrence devant, mais aussi pallier à certaines blessures. Aujourd'hui, c'était presque une obligation de prendre un joueur qui puisse jouer à tous les postes. Vous l'avez vu aussi le week-end dernier avec Lévy qui a joué devant par le biais du fait que Yo et Souk étaient blessés. Donc ça nous donnait une alternative. Maintenant, je voulais un joueur qui allie à la fois l'aspect athlétique et à la fois l'aspect de vitesse. Donc, c'est exactement le joueur, je pense, qui peut nous permettre à un moment donné de pouvoir justement faire les deux.